est 10h. Je m'étais préparée pour filmer. Je devais filmer, mais j'avais commencé en vous disant que c'était pas mon jour. Mais en fait, je crois que c'est pas ma semaine. Hier, c'était pas mon jour. Aujourd'hui, c'est pas mon jour. Voilà. Donc, hier, déjà, la nuque, un enfer. J'avais super mal. Donc, du coup, ça m'a lancé dans le front. Ça va déclencher une crise de migraine. J'ai quasi pas réussi à manger de la journée. J'étais pas bien chaque fois que je mangeais. J'ai eu des douleurs dans l'oreille atroces. Donc, je pense vraiment que j'ai une otite. Et après manger à 8h, j'ai été me coucher. Je me suis relevée à 9h. J'ai les mains trempées, les manches trempées. Je viens de te foutre par terre, Kiki. J'ai voulu mettre à 10h le lave-vaisselle en route. Il ne s'allume plus. Voilà. Je crois qu'il a rendu l'âme. Ça fait quelques jours qui déconne, et là je crois qu'il a vraiment rendu l'âme, il ne s'allume plus du tout. Donc là je suis en train de me taper toute la vaisselle à la main, de tout ce qui était dans le lave-vaisselle, en sachant que hier j'ai fait un gâteau et de la bolo. Un enfer. Voilà, laver la bolo, c'est un truc qui me prend le chou. Et en plus, entre la tendinite, la fibro, l'arthrose, je vous raconte pas comme c'est un enfer de faire la vaisselle à la main. Ryan! Nuque, arrête pas de gueuler. Donc je vis un enfer, voilà, clairement. Qu'est-ce qui sort? Ah oui, j'ai voulu allumer le poêle parce que j'avais froid, il ne s'est pas allumé. Donc là, je dois vider tous les pellets qui sont tombés dans le bac et qui n'ont pas brûlé. Le chien n'arrête pas de gueuler, Riley est infernal. J'ai fait sortir les chichous pendant presque 3 heures. Donc elle était infernale. Ryan! Alors, je fais la vaisselle avec eux dans les pieds. Qu'est-ce qui m'est encore arrivé? Ah oui, j'avais programmé ma machine pour qu'elle tourne pendant la nuit. Elle n'a pas tourné. Donc, j'ai dû la lancer ce matin quand je me suis levée. Je l'ai pendue. Donc, je devais filmer aujourd'hui un reel make-up et deux vidéos. Je ferai ça demain parce que là, il faut que j'aille ranger. J'ai pas rangé les fringues qui traînent sur mon fauteuil. Du hall que vous avez eu, le dernier hall Temu. Donc il faut que j'aille ranger ça. Il faudrait bien que je me décide à faire mes ventes Vinted, mais je vous jure, j'ai la motivation d'un poulpe ces derniers temps, c'est affreux. Apparemment, je suis pas la seule. Hein. Sous mon dernier vlog, il y en a plein qui m'ont dit qu'ils étaient pareils. Donc ça me rassure, mais il m'énerve à gueuler, lui. Donc là, ce que je vais faire, le temps que ma première partie de vaisselle sèche, que je puisse la ranger pour continuer, ou que les gosses se lèvent pour me la ranger, mais ça, j'ai un gros doute. Je vais déjà balayer le salon, comme ça, je peux faire mon pilates. J'aimerais bien nettoyer aussi aujourd'hui. Je ne sais pas encore quelle couille il va m'arriver, hein, d'ici à ce que mon appareil Karcher tombe en panne, ou qu'on ait une coupure d'eau, voilà. On ne sait jamais ce qui va se passer ici. Hein. Mais là, en ce moment, c'est un enfer. Ça fait 2 jours, c'est un enfer. Donc, voilà, je vais faire ça aujourd'hui. Comme ça, demain, je peux filmer ça. Et vendredi, ben non, demain, c'est vendredi. Donc, samedi, on clôturera le vlog avec les make-up d'Halloween. J'ai testé un que j'avais en tête depuis l'année dernière, mais je ne sais pas si ça ira. Donc, je vais déborder sur autre chose. Après, c'est principalement le même. En fait, c'est juste pour utiliser que un rouge à lèvres pour faire votre make-up d'Halloween, quoi. Vous voyez? Donc voilà. Écoutez, on verra bien ce que ça donne. J'ai un qui revient en trottinant. Ça veut dire qu'il va venir gratter à la porte. Chérie est revenue avec un gros sac de bouffe du boulot. Il y avait un peu de tout dedans. Plein de boissons aussi. Des Aquarius, des bières et tout. Des chips, des chocolats, des bonbons et tout ça, tout ça. Donc moi j'ai fait mon tri. Bon après ça va. J'ai pris... Il y avait un bifi haché là. Vous savez, les ronds. Oui, j'ai entendu. J'ai pris un CCML. Et un Lego. Un Lego. Un Léo Go. Tais-toi!
Et on partageait en deux le Milka Brownies. Mon Dieu, qu'est-ce que c'était bon. Qu'est-ce que c'était bon. Hier, j'avais un gâteau aux pommes. Dis-toi. Et il est bien bon aussi. Voilà. Bon, j'ai juste fait un gâteau au yaourt et j'ai rajouté des pommes dedans. Hein. Je ne me casse pas trop la nénette. Hein. Donc voilà. Bah écoutez, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vais faire ce que j'ai à faire parce que là j'ai plein de choses à faire. Il faut que je donne les trucs aux chiens pour les puces. Ce sera les derniers de l'année. Mais je donne toujours un dernier avant l'hiver. Pour être sûr qu'il n'en est pas en fait tout simplement. Voilà, rien de faire. Enfin, qu'essaye de rentrer. Madame ne le laisse pas. Riley. Laisse-le tranquille. Il marche, elle l'attaque quand même. Yuki qui s'en met. Donc voilà. Bon, allez, je vais faire ce que j'ai à faire parce que là, si je reste assise à papoter avec vous, je vais jamais m'y remettre. Je vais déjà boire un petit coup de café. Ça, c'est énervant aussi. Et voilà. Donc sur ce, nous, on switch toujours. Il est 8h30 et je viens de filmer ce réel. Hein. Avec la palette Spellbound. Joli petit. J'adore cette palette. Qu'est-ce que je vais vous dire? Oui, alors dans le genre, c'est pas ma semaine. Il m'en est encore arrivé deux bonnes hier. J'étais en train de ranger dans ma chambre, du linge dans ma chambre. Et les chiens ont commencé à se battre. Donc Yuki et Riley sur le lit, en les séparant. Riley m'a mordu. Elle m'a mordu comme ça. Alors, là, vous n'allez pas voir, je suis encore gonflée. Mais alors, hier, c'était un truc comme ça. Et j'étais toute bleue ici. Là, je suis encore un peu bleue, mais ça va. J'arrivais pas à bouger ma main tellement j'avais mal. Là, ça va. Maintenant, j'arrive à. Donc, elle m'a niaqué. Elle m'a mordu comme ça. Donc, heureusement que c'était pas la tête de Yuki, parce que je pense qu'elle aurait, elle lui aurait broyé le crâne. Et le soir, j'ai fait des petites perlouses. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de bijoux en perles. Et quand je suis arrivée au bout, au lieu de couper le fil qui dépassait, j'ai coupé le fil du bracelet. Je dois recommencer. Voilà. Donc autant vous dire que c'est vraiment, vraiment, vraiment pas ma semaine. Je n'en peux plus. Là, je vais filmer le concours. Je pensais avoir la box Pélouise aujourd'hui, mais je pense que ça sera que lundi parce que j'ai pas de... Le suivi ne s'est pas actualisé, donc comme il est déjà 8h30, ça serait étonnant que je le reçoive dans 2h. Sauf si je le reçois dans la journée, mais du coup, ça sera trop tendu pour vous le tourner pour lundi. Donc du coup, je vous la mettrai en bonus, je ne sais plus quand, dimanche, je crois. Dimanche prochain, peut-être. Ouais, dimanche prochain. Puisque de toute façon, elle est tellement en retard, cette box-là. Et là, je vais tourner le concours calendrier de l'Avent. Voilà, voilà. J'espère que ça vous plaira. Demain, on va essayer de faire le make-up d'Halloween que je vous disais. Enfin, les deux make-up d'Halloween que je vous disais. Si je me lève assez tôt, si j'ai pas de soucis, hein, voilà. Parce que sinon, ce sera pour le prochain. Et voilà, c'est tout. Ouais, pour aujourd'hui, c'est tout. je crois que j'avais rien d'autre à vous dire. Hein. Je réfléchis, hein, mais non. J'ai rien d'autre à vous dire. Voilà. Donc, bah écoutez, sur ce, on suit deux jours. Sauf s'il se passe encore une catastrophe sur la journée. Là, je vous reprendrai pour vous le dire tout de suite. Voilà. Alors, je ne sais pas quelle heure il est, il doit être 9h30, quelque chose comme ça. Je viens de tourner mon hall action, donc je vais pouvoir ranger tout mon bordel qui est sur ma table. Donc, comme vous l'avez vu, il n'y a pas eu de vlog la semaine dernière, enfin, samedi. Ouais, samedi. Je vous ai mis le concours à la place, donc je vous le remets en barre d'infos.
Si jamais vous n'avez pas encore vu le concours calendrier de l'Avent, et ça a l'air de bien vous plaire, je suis contente. Et voilà, donc oui, j'ai eu un week-end un peu bizarre, on va dire ça comme ça. Samedi, qu'est-ce qu'on a fait? Samedi, on a déjà été aux courses et on a été voir un peu le prix des lave-vaisselle, parce qu'il faut qu'on achète un lave-vaisselle. Du coup, il y en a un Whirlpool qui sera en promo à partir de demain. Donc, chérie, il ira certainement chercher demain ou mercredi. Parce que faire la vaisselle à la main, c'est juste un enfer. Heureusement que les garçons sont là. C'est eux qui le font, du coup. Et dimanche, j'ai dormi toute la journée, donc hier. Sauf pour maquiller le petit, mon neveu. Je vous mets la photo. Il était trop content, mon petit squelette. Voilà, pour le maquiller pour Halloween, ma belle-sœur est venue vers 11h, vers 10h30, et puis ils sont repartis vers 11h30. Et en fait, j'ai déjà été me coucher avant, parce que les chiens m'ont réveillé à 4h de l'ancienne heure, donc ça faisait 3h de la nouvelle heure. Et j'étais crevée. Donc j'ai été me recoucher de 8h30 à 10h30. Quand ma belle-sœur est partie, j'ai mangé, j'ai été me recoucher jusqu'à 3h30, et à 10h, j'étais au pieu. Donc j'ai dormi quasi toute la journée, quoi, voilà, j'étais fatiguée, donc j'ai bien récupéré, cette nuit j'ai un peu mieux dormi. Donc là, ce soir j'ai à kiné, là je vais encore faire mon pilates, parce que je ne l'ai pas fait du week-end du coup, donc je vais faire une petite séance de pilates. Faire le montage de ce vlog, enfin de cette journée, non, du haul. Oh. Et après je mangerai puis j'irai à la douche probablement, j'irai à la sieste d'abord, puis après j'irai à la douche. Non, j'irai plutôt en rentrant chez la kiné, ça fera du bien. Je suis bloquée, j'ai le bas de la nuque un peu plus haut que le bas des omoplates, là, que le haut des omoplates. Un peu plus haut que les omoplates. Je suis toute bloquée, j'ai l'impression d'être toute gonflée aussi. Donc je pense que je vais mettre un patch jusqu'à l'heure de la kiné. Comme ça, elle me débloque ça. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais j'ai super mal. J'ai du mal à... Ça va être chouette le sport, tiens, maintenant que j'y pense. C'est rien. Aujourd'hui, je reçois... Donc là, j'attends le facteur. Je reçois enfin la Vox P. Louise de septembre. Donc je vais pouvoir la tourner. Très tard, mais je vais pouvoir la tourner. Hein, parce qu'on est quand même en octobre. Et je me demande si la vidéo sortira pas en novembre, du coup. L'autre devrait bientôt partir, hein, il devrait valider la commande le 28, donc on va bientôt partir. Et demain, on fera une palette de make-up avec la Sorceress de Jolie Beauty, voilà. Et une fois que je serai maquillée, je tournerai la Vox P. Louise, comme ça je fais pas que des vidéos no make-up, hein, mais comme ça je serai maquillée. Voilà, voilà. Et on clôturera sur le close-up du make-up, comme j'aime bien faire quand c'est les vlogs où il y a une palette de make-up. Et Titi serait vie. Là, j'ai déjà rangé ma vaisselle et refait la petite vaisselle qui traînait pour éviter que ça s'en fasse dans l'évier. J'ai joué, bien évidemment. J'adore jouer tôt le matin quand je me lève, que je suis au calme, qu'il n'y a personne. Enfin, quoique la chaîne a été hyper chiante. Là, elle est couchée dans mon dos, donc ça va. Maintenant, il faut que je range mon bordel, surtout. Et que je regarde comment fonctionne le petit chauffe-main. J'ai acheté un chauffe-main, mais je ne comprends pas comment est-ce que ça fonctionne. Bon, après, je n'ai pas encore lu. Hein, donc, en même temps, c'est écrit tellement gros. En fléchissant le disque en métal dans le produit. Afin de réutiliser, plonger la chaufferette dans les pour main dans de l'eau bouillante durant 5-10 minutes. Ok. Donc en fait, il faut péter, enfin plier la petite rondelle qui est à l'intérieur. J'ai géré. Et c'est dur. Ça peut le faire plusieurs fois avant rire.
Fléchissez, c'est marqué, mais fléchir, ils appellent ça quoi? Quoi fléchir? Dans l'autre sens, ça n'a pas l'air de se plier. Ah, ça y est, ça chauffe. Ah oui. C'est trop chelou. Ah oui, ça chauffe. Oh mon Dieu, je vais adorer ce truc. Pour me réchauffer les mains. Les arrêts chauds à peu près une demi-heure, donc vous pouvez même le mettre. Ah, oh, 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 oui. Oh. Ah. Riley qui ronfle, la soeur. Oh la vache, ça chauffe bien. J'en reviens pas. Et donc après, pour le réutiliser, vous plongez dans de l'eau chaude pendant quelques minutes, dans de l'eau bouillante. Incroyable. Et puis après, il faut le laisser refroidir pour le réutiliser. C'est marqué. Ah mais ça chauffe bien, cette connerie. Putain, j'aurais dû m'en acheter avant. Ok, tout le temps froid les mains. Oh, puis même là, ça fait du bien. Oh, dans la nuque. Oh. Oh, mes amis. Oh là là, je vais m'en acheter plein, je vais me les coller sur tout mon corps. Je vais en mettre dans mes chaussettes, dans ma culotte, dans mon soutif. Oh, pour les pieds. Attendez, je suis en train de réfléchir. Ben oui, vous en achetez deux, vous les mettez dans vos chaussettes. Je vais retourner chez Action, moi chercher plein. Ok, tout le temps froid les pieds et les mains. Ouais, j'adore. Ah oh, oui, clairement, je vais aller m'en racheter pour me mettre dans mes chaussettes. Voilà. Bon, bah tant que je profite de ça, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Voilà. Tout simplement. Donc sur ce, nous, on peut switcher de jour. Alors, il est, j'ai l'escalier, 9h. Donc, on va faire une palette de make-up avec la Sorceries de... Donc voilà, j'adore cette palette. C'est la première que j'ai achetée de la marque. Et ça a été un gros, gros, gros coup de cœur. Bon, vous vous couchez, Yuki, va te coucher. Allez, laisse-la tranquille. Un gros, gros, gros coup de cœur pour cette marque. Donc c'est Manon qui a choisi, comme d'habitude. Vous avez sa vidéo de son make-up en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir, vous abonner à sa chaîne, et tout ça, tout ça, tout ça, comme d'habitude, lui laisser des très gentils commentaires. Et voilà, donc j'ai hâte de savoir ce qu'elle va choisir pour la prochaine. Et nous, on va pouvoir attaquer le petit make-up. Donc, ma semaine pourrie se termine mieux qu'est-ce qu'elle n'a commencé, puisque hier, chéri est rentré du boulot avec un lave-vaisselle. Enfin, il a été chercher un lave-vaisselle, hein, il l'a pas eu au boulot. Ça aurait été bien, mais ce n'est pas le cas. Donc voilà, ça fait déjà un gros souci en moins, lave-vaisselle en moins, ça n'a pas de prix. La vaisselle à la main, c'est un enfer, surtout quand vous n'avez qu'un bac dans l'évier, c'est extrêmement chiant. Alors, je cherche mes pinceaux. Oui. Voilà, j'en ai préparé deux, trois. Je suis en train de me casser la margoulette. Je vais me rapprocher un petit peu quand même. Voilà. Alors, j'ai envie d'utiliser les paillettes ici. Vous voyez pas, là. Voilà. Donc, je pense que je vais faire une base grise et mettre les paillettes comme ça par-dessus. Donc on va voir ce que ça donne. Écoutez. Ouais, j'ai envie de faire une base grise. Au départ, je voulais partir que dans du gris, mais je me suis dit, bon, allez, je vais mettre quand même les paillettes par-dessus. Mais on va faire
que la base en gris. Donc je vais commencer par le gris plus clair ici pour faire mon creux. Et mon ras de cils et tout ça comme d'habitude. Hein. En ce moment, je change pas énormément de forme. Je vais le remonter plus haut parce que il est quand même assez clair. Donc je mettrai l'autre après. Donc là, on fait grossièrement un gros creux. Un cratère. Ah, je me suis trompée de couleur. Toi, ça après. Ah, je suis trop contente de ne plus devoir faire la vaisselle à la main. J'ai une commande qui arrive chez mon frère aujourd'hui. Je vous montrerai ça dans le prochain vlog parce que normalement il me l'amène jeudi. J'ai fait un craquage encore. J'ai oublié de vous le dire, donc je vous montrerai ça. Et mercredi, j'ai ma bougie que chérie m'a offert qui arrive. Je vais prendre celui-ci pour faire le creux plus précis. Hier, j'ai reçu mon tapis de Pilates de 1,5 cm ou 2 cm, je ne sais plus maintenant. Oh, j'ai hâte de le tester. Aujourd'hui, je pense que je vais faire une petite séance de yoga sur chaise. J'ai trouvé une vidéo de yoga sur chaise, donc je vais essayer ça, tiens, aujourd'hui. Hier, j'ai fait du Pilates. Ah, j'ai fait une classique. Mais j'ai trouvé aussi une vidéo de Pilates sur chaise, avec chaise, parce que c'est pas vraiment sur la chaise, mais c'est avec une chaise. Et j'ai trouvé plein de vidéos de yoga au mur, de Pilates au mur, sauf que ben j'ai pas de mur de libre en fait. Donc c'est extrêmement chiant. Donc je vais déjà blender tout ça. Eh, ça suffit vous deux. Alors, je vais prendre un pinceau plat, mais assez large. Toi, t'es pas un pinceau plat, t'es un boule. Alors, toi, tu feras très bien l'affaire. Je vais commencer avec le gris foncé ici. Donc, je vais mettre ça sur toute ma paupière. Et je vais juste accentuer un peu avec le noir. Yoki, il faut lui la paix. Ah non, elle grogne sur Ryan. Oh là là, les tic 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 là, ça me saoule. Ah, mon estomac vous salue. J'ai faim. J'ai tout le temps faim en ce moment. J'ai tout le temps faim, mais je n'ai pas mangé. Alors, mon estomac est bizarre. Dès que je mange, je me sens pas super bien. Donc, mon ras de cils. Voilà. Donc là, on est sur un smoky gris, tout ce qui est de plus basique. Je vais l'intensifier un peu quand même. Je me demande dans quelle couleur Manon va partir. Je pense qu'elle va utiliser ceci. Mais à chaque fois, je me plante en ce moment. Elle est souvent dans du vert. J'essaie de me souvenir un peu ce qu'elle a fait comme make-up ces derniers temps. Mais je ne sais plus. Voilà. Alors, en coin interne. Maintenant, c'est Ryan qui s'y met à piétiner. Je vais prendre celui-ci parce que c'est le seul blanc lumineux. L'autre, c'est un mat. Riley. Yoki. Ils veulent pas lui foutre la paix. C'est un truc de fou. Et elle le suit. Hein. Mon pauvre gros proupro. Il est martyrisé par les deux petits. Je vais également en mettre sous le sourcillon, comme d'hab. J'aime pas avoir les sourcils mat, hein, c'est un truc de fou. Il me saoule.
Et au doigt, je vais prendre donc ce fard, ce magnifique fard à paillettes. Oh, c'est beau. Et je mets ça sur toute ma paupière en mobile. Oh, c'est beau. Et on en rajoute parce qu'on n'a jamais assez de pétouille dans la vie. Ah, j'ai pas accentué mon coin externe. Oh, quoi que ça choque pas. Ça fait un peu moins profond, mais écoutez, hein. Voilà, et puis je remonte sous le sourcil aussi. Hein. Allez, soyons fous, on en fout partout. Oh, elles sont trop belles ces paillettes. Oh, c'est beau. J'en ai marre des tic-tics. Du coup, je prends mon petit pinceau. Et j'en mets également un petit peu en ras de cils. Parce que j'ai envie de pétouiller aujourd'hui. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Ben voilà pour les rares. Ah, j'ai une paillette sur le cil. Alors, je vais quand même faire un trait de liner. Je vais déjà mettre mon crayon noir en muqueuse supérieure, si je le retrouve. Ah, il y a. En muqueuse inférieure, je mettrai un duochrome vert. Et je vais prendre mon liner. Donc là, je coupe parce que vous n'allez pas me voir. Non. Celui-là avec ma ride, là, à chaque fois, c'est chiant. Il doit être plus épais. Chaque fois, je réussis bien d'un côté. Puis après, je vois l'autre et je dis, merde. Faudrait que je commence par celui-là, en fait. Je pense qu'on est à peu près pareil. Alors, je garde mon liner et je vais faire des petites vaguelettes comme ça. Pas à la même hauteur et pas dans le même sens. Je vais en faire que deux parce que trois, ça fera peut-être un peu beaucoup. Voilà, du coup, je l'ai fait dans le même sens. Tant pis. Et je prends mon liner étoile. Et je fais une petite étoile entre chaque pitonio. J'ai raté. D'ailleurs, en parlant du liner étoile, je m'en suis servi sur mes ongles. Alors, ça marche pas super bien. Hein. En fait, il faut bien vous mettez sur l'ongle et vous le faites tourner d'avant en arrière, les côtés en rond, comme ça. Donc, ça prend extrêmement du temps. Et en vernis, j'ai mis celui-là de Essence. Voilà, je trouvais qu'il était bien pour la saison. Voilà, voilà. Donc, je vais mettre du crayon, mascara, rouge à lèvres, je vais mettre celui-là de Charlotte Tilbury. Et ben voilà, ça sera tout pour ce vlog. Je vais vous laisser sur le close-up. Et après, j'irai faire mon sport. D'abord, je vais tourner ma vidéo de la boxe Pélouise parce que je l'ai enfin reçue. Et voilà. Donc, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et moi, je vous dis déjà bisous, bisous.